Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo s'est coupée tout à l'heure, mais on va continuer comme ça. Je ne vais pas rebattre les cartes parce que c'était déjà là. Bon, on va continuer par cette première. On va commencer par cette première ligne. Ici, cet automne, il y a quelqu'un qui a mis fin à un partenariat. Et il est sorti de là et il évolue malgré les doutes et les questionnements qu'il se pose, malgré qu'il se demande comment, où il va aller, de quel côté il va, comment il va s'y prendre, parce qu'il a toujours, connu que cet environnement. Mais ça a été un coup de chance pour lui parce que ça le permet d'aller voir ailleurs et d'évoluer aussi et de découvrir autre chose et de grandir. Et toujours là, mais là c'est une autre situation. Cet automne, il y a un couple qui a mis fin à leur couple. Mais c'est quelque chose déjà qui était déjà terminé depuis longtemps. Mais ils se raccrochaient à quelque chose d'illusoire. Ils avaient l'illusion qu'il y avait encore quelque chose. Mais il y a une discussion qui a permis à cet homme plus âgé d'y voir plus clair. Dû à une tromperie dans le foyer. Il a décidé de mettre fin et de pouvoir passer à autre chose. Parce qu'il était coincé dans cette situation-là. Il était coincé dans cette vie de couple, dans cette famille, il se raccrochait à quelque chose qui n'allait plus. Quelque chose qui était déjà fini. Maintenant, il sort de là, il se pose des questions parce que ça fait longtemps. C'est un vieux couple. Ça fait longtemps qu'il est dans ce couple-là. Il se demande comment il va faire, comment recommencer, par où aller. Mais c'est déjà bien parce qu'il se sent mieux. Il se sent mieux, il sait que c'est fini, il se rattachait à quelque chose qui était déjà terminé depuis bien longtemps. Déjà ça, c'est bien, ça le soulage. Même si en ce moment, il se pose des questions de comment il va faire parce qu'il n'a connu que cette femme-là. Il y a un ami qui va l'aider à surmonter cette trahison-là, cette infidélité, qui va l'aider à passer à autre chose. Ça va prendre du temps, bien évidemment. Il va s'isoler le temps de digérer la chose. Il va enfin renaître. Il va enfin redevenir lui-même. Il va enfin reprendre sa vie en main. Parce qu'il était bloqué là. Il ne faisait pas les choses. Il ne faisait pas les choses qu'il voulait. Il ne faisait pas les choses dont il avait envie. Je pense que ça, c'était un homme qui était dans une vie de couple, qui faisait juste plaisir à sa partenaire. Et qui ne prenait pas soin de lui. Qui ne s'occupait même pas de lui. Et du coup, en sortant de cette situation, ça lui permet d'enfin revenir en lui-même et de voir quels sont ses propres besoins et quels sont ses propres désirs. Il va enfin décider de s'écouter et d'être fidèle à lui-même. D'abord lui. Parce que son bien-être avant tout. Et ici, c'est un autre cas. Il y a cette jeune femme d'une trentaine, de la 30, voire 40, 45 ans, 50 ans, qui va faire de la route pour mettre en place un projet ou pour signer un projet, un CDI. Qui lui apporte beaucoup de bien-être. Elle a espoir de pouvoir travailler dans cette boîte-là. C'est une société qu'elle aime beaucoup. C'est une société qu'elle a longtemps démarché et fait des démarches pour travailler là, dans cette société-là. Et elle va enfin être prise cet été dans la société. Elle va signer un CDI. Et ça va lui apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être, de légèreté. Elle va se sentir revivre. Ça va lui faire beaucoup de bien. Et ici, c'est un autre cas. Il y a cet homme de la cinquantaine, 30-50 ans, et cette femme de plus de 50 ans. Qui sont préoccupés en ce moment à se rendre malade, et ils devraient faire attention parce qu'ils sont vraiment en train de décliner par rapport au sujet d'une
au sujet d'un projet qu'ils ont mis en place cet hiver. Un projet qui a mis du temps, qui a été bloqué à un moment, et ça s'est débloqué, mais il a fallu beaucoup d'argent pour pouvoir en arriver là. Et maintenant, ils sont préoccupés, ils se demandent avec tout l'argent qu'on a investi dans ce projet, est-ce que ça valait la peine, est-ce que ça valait le coup de le faire? Est-ce que c'était nécessaire tout ça? Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Oui, vous allez vous en sortir, monsieur, le monsieur de la cinquantaine et la dame de plus de 50 ans ici. Vous allez vous en sortir, mais le projet va prendre beaucoup de temps. C'est un projet qui va d'abord, qui va décliner. Vous allez avoir des partenariats. Il y a des gens qui vont vous aider à vous relever. Il y a des gens qui vont tendre la main. Vous allez avoir des partenaires qui vont venir s'associer. Ça va d'abord, c'est vrai, ça va décliner. Parce que ça n'a pas très bien commencé ce projet. Ça va décliner, c'est vrai, mais avec un peu de persévérance, parce que je vois qu'il y a l'homme qui persévère ici, cet homme qui a espoir. Avec un peu de persévérance, vous allez pouvoir, la société va marcher, la société va grandir. Et elle va même occuper une très grande place et elle aura une bonne notoriété. Donc il faut persévérer, il faut pas laisser tomber les choses maintenant. Et il y a cet homme qui est en train de cet homme en colère qui a été brisé, qu'on lui a fait beaucoup de on lui a fait beaucoup de mal cet automne, qui est en train de se reconstruire, qui redevient une nouvelle version de lui. On lui a tellement fait de beaucoup de mal que ça l'a affaibli, ça l'a affaibli. Ça l'a même vieilli, ça a anticipé la vieillesse. Et en ce moment, il se reconstruit pour redevenir une nouvelle version de lui-même. Et ici, il y a un autre cas. Il y a quelqu'un ici dû à une tromperie, à une infidélité, qui a divorcé. Il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. Oui, le divorce va se prononcer et elle va gagner beaucoup d'argent. Et toujours ici, il y a quelqu'un qui a profité de la faiblesse de quelqu'un et profité d'un coup de chance, d'une faille pour trahir son partenaire, quelqu'un avec qui ils étaient associés pour prendre l'argent. Il ne s'est pas caché pour le faire, hein. C'était vraiment frontal. C'était vraiment, oui, j'ai trouvé la faille, ok, j'ai pris. Non, il ne s'est pas caché. C'est pas un voleur, il est venu soutirer l'argent, non. Il y a une opportunité qui s'est présentée à lui, il a trouvé la faille. Et puis, il a dupé son partenaire, son associé. Il a pris l'argent, il a signé à son nom, à lui tout seul, et il a pris l'argent. Et il y a quelqu'un ici qui va enfin retrouver de l'équilibre, la stabilité dans sa vie de couple, dans sa vie d'homme, dans son travail. Au fait, il y a de l'espoir. Il y croit encore et tant mieux qu'il y croit parce qu'il est en train de... Il est en train de c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. Quelqu'un qui a beaucoup... Il a beaucoup espéré pour pouvoir en arriver là. Maintenant, c'est en train de se mettre en place. Et ici, il y a cette femme qui va se mettre, qui s'est mise en couple avec quelqu'un, avec un homme, et elle a dû aller s'installer à la campagne. Mais elle se demande si c'était une si bonne idée que ça, parce qu'au fait, le fait de s'être mis en couple avec cet homme et d'aller vivre en campagne, ça l'isole. Et elle n'aime pas ça et ça la préoccupe et elle réfléchit beaucoup. Ici, il y a cet été, il y a cette femme ici qui va enfin retrouver sa vitalité. Hein. Ses efforts vont être récompensés. Ses efforts vont être récompensés suite à une préoccupation
dû à l'argent. L'argent qu'elle demande, l'argent qu'elle demandait à la banque. Oui, l'argent qu'elle demandait à la banque pour pouvoir mettre en place son projet. Je pense que c'est une demande qu'elle a faite depuis cet hiver. Il n'y avait pas eu de réponse, mais cet été, elle aura une réponse positive. Elle va pouvoir enfin recevoir l'argent pour mettre en place son projet. Mais malheureusement pour elle, le projet ne va pas marcher. Le projet va être bloqué. Ça va patiner le projet, ça va être gelé. Ça ne va pas aboutir à ce qu'elle imaginait. Malgré tout ce elle va pouvoir faire, mettre en place, chercher les partenaires, ça va peut-être commencer à marcher à un moment, mais ça va retomber. Et ici, il y a cette jeune fille, cette ado ou pré-ado qui se pose et qui est malade, qui est préoccupée ici, suite à cause d'un ami ou vu à cause d'un ami. Et là, je pense qu'elle ressent des choses. Elle ressent des choses pour cette personne. Ou alors, c'est cette personne qui lui a déclaré son amour. Et ça la perturbe un peu. Ça la perturbe et je pense que ça va mettre en péril aussi cette amitié. Je pense que ce n'était pas le moment de le faire. Parce qu'elle ne le voit plus, elle ne le voit plus du tout comme un ami. Ça reste son ami, mais ça la perturbe, cette déclaration d'amour. Et du coup aussi l'ami se demande, est-ce que j'ai bien fait de lui en parler? Il y a un peu de doute. Il y a des doutes suite à cette déclaration d'amour. Oui, je pense que ici, c'est tout ce que j'ai à vous dire ici. Je pense que c'est tout. Il n'y a rien à rajouter. D'accord, il n'y a rien à rajouter. Bon, je vous dis merci beaucoup. J'espère qu'elle vous aura plu la guidance et passez une belle soirée. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.